Salut à tous, c'est la trêve et l'OM va un petit peu mieux. Comme l'impression que Gennaro Gattuso a calmé un petit peu les choses, il a déjà calmé la grogne des supporters olympiens. Et là, je ne parle pas que des groupes de supporters, c'est l'ensemble des supporters marseillais qui n'étaient pas très emballés par notre ami Marcelino. L'ambiance est un peu plus saine, on va dire, actuellement. Et puis, chez les joueurs, j'ai l'impression que l'Italien leur a donné une direction dans laquelle aller après ce début d'automne très, très, très mouvementé où le navire marseillais semblait naviguer à vue. Là, il y a une direction, on semble voir où on va. Et justement, eh ben, c'est de cette direction dont on va parler dans cette vidéo. Ma spécialité, c'est pas forcément être un journaliste tactique. Il y en a des bien plus compétents comme moi, comme l'ami Mathias Ribeiro. Allez le suivre sur Twitter, l'équipe de Copa Arena, abonnez-vous, ou encore l'excellente chaîne Football Meta dont je vous parlais la dernière fois. Cependant, ce que j'essaye de faire depuis quelques années maintenant, c'est de comprendre 2-3 choses pour enrichir ma vision du foot. Et puis, on parle de football, il faut quand même un peu comprendre l'essence du football, la tactique qu'essayent de mettre en place les coachs. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. On va essayer de comprendre un peu l'essence de Gattuso et 2-3 choses pour mieux comprendre ce qu'il est en train de mettre en place. Et on va commencer par le plus identifiable, la structure, le schéma tactique. La structure, le schéma tactique, qui n'est pas une fin en soi. C'est important de le rappeler, une structure, un schéma tactique, ça évolue et c'est surtout vrai lorsque l'on n'a pas le ballon, mais ça permet quand même de comprendre 2-3 choses. Et avec Gattuso, ce schéma tactique, notamment en position défensive, il commence à être identifiable. Il est important parce que c'est à partir de là où on va récupérer le ballon et où on va commencer à construire. Donc qu'est-ce que j'ai identifié jusqu'ici chez Gattuso ? Son schéma tactique, jusqu'ici, on le catégorise plutôt en 4-3-3, 4-2-3-1. Pourquoi pas, je vois pourquoi on le catégorise comme ça. Moi, j'aurais tendance, si je veux être un petit peu pointu, à parler d'un 4-3-3 tendance 4-4-2. Je vais vous expliquer pourquoi avec ces splendides photos que je prends de la tribune de presse pendant les matchs. En fait, tout dépend des mouvements de deux milieux de terrain en particulier. Parce qu'il y a des positions plus ou moins fixes. Alors oui, Aubameyang peut partir à gauche, les joueurs de côté peuvent permuter, mais ils occuperont généralement, au moins au départ, au moins en position défensive, ces positions d'attaquant central pour Aubameyang et d'ailier pour Sarr, Correa et Illiman Ndiaye. D'ailleurs, d'ailier bien défensif, puisque sans le ballon, ils vont bien redescendre et ils couperont les lignes de passe vers l'axe. Rongier, pareil, c'est un milieu de terrain axial défensif sous Gattuso, ça ne bougera pas trop. Il reste donc les deux autres positions, les positions de 8 et de 10, qui sont pour moi les plus intéressantes sous Gattuso. Contre Brighton, ces deux postes étaient occupés par Veretout pour le 8 et Harit pour le 10. On va d'abord s'intéresser à Harit, qui sans le ballon était sur la même ligne qu'Aubameyang pour bien presser intelligemment, et avec le ballon, c'était un peu pareil. Ça peut vous paraître anodin, mais bon, Bruno Cherou, tout ça, vous connaissez. Mais sérieusement, ça ne l'est pas, puisque regardez comme il est positionné ici, sur le deuxième but, sur l'erreur de Dunk. Harit, il est sur Dunk, il est sur le central adverse, il est haut, il est sur la même ligne encore une fois qu'Aubameyang, ce qui va lui permettre de profiter de cette étourderie, et vous voyez la ligne de 4 derrière comme à l'éclair. Et contre Brighton, Veretout avait aussi interprété ce rôle de 8 de box-to-box à merveille. Il a apporté beaucoup offensivement et il a bien équilibré défensivement. Et c'est ça qui avait fait aussi la différence, sans doute la meilleure mi-temps de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. Un gros abattage physique, donc de belles projections qui vont même donner cette position moyenne en fin de match à la même hauteur que Pierre-Emerick Aubameyang au niveau de la hauteur où il a touché les ballons. Face à un adversaire particulier, Brighton, ce 4-3-3 tendance 4-4-2 avait parfaitement fonctionné jusqu'à la sortie de Veretout et l'entrée d'Unai.
Les profils étaient alors moins clairs. Comme on l'a vu, Veretout, il était parfaitement fonctionnel dans cette position de 8, dans ce jeu où tu vas avoir deux joueurs axiaux qui vont plus attaquer, plus presser l'adversaire. Lui, il est là pour équilibrer, il faisait ça à merveille. Unai, il est entré à la place de Veretout, alors numériquement, mais pas vraiment sur le terrain, puisqu'il a pris la place d'Harit, il a peut-être un peu moins pressé, il est peut-être sorti un peu trop tôt. Et bref, tout ça, ça a aussi amené une désorganisation. On a beaucoup parlé du problème physique. Moi, j'avais même tenté en conférence de presse de parler peut-être de l'inadéquation des entrants qui avaient un peu déséquilibré l'ensemble. Mais bon, Gattuso n'avait pas voulu, on le comprend, casser du sucre aussi sur les entrants, c'est normal. Donc voilà, mais dans tous les cas, ces entrées contre Brighton, elles ont un peu fissuré l'édifice qu'avait mis en place l'Italien pour mettre à mal son compatriote sur le banc. Contre le Havre, le Marocain, que j'apprécie beaucoup, hein, entendons-nous bien, devait suppléer Veretout dans ce rôle de 8 puisque Veretout était sorti sur blessure. Encore une fois, avant de le critiquer, il est très important de dire que l'adversaire était bien différent. Le Havre, c'est pas Brighton. Et en face, c'est pas Riron. C'est pas Valladolid. Et il faut s'adapter à ce genre de choses. Mais Unai a moins brillé. À coup sûr, Gattuso vous dira que non, parce qu'encore une fois, il va vouloir protéger son joueur. C'est bien compréhensible. Mais en première période, notamment de la tribune de presse, on pouvait voir Gattuso beaucoup échanger avec Unai. Rongier, Harit aussi beaucoup allaient donner des conseils sur le placement d'Unai sur le terrain, puisque c'était un peu moins clair et c'était beaucoup moins fonctionnel, encore une fois, qu'avec Veretout sur le terrain. Au final, la structure aura été plus ou moins similaire que contre Brighton, avec un Unai qui apparaît quand même bien haut sur cette carte des positions où on touche le ballon, mais la manière de presser aura été différente. J'insiste pas mal sur Unai, mais parce que pour moi, il peut être l'un des grands vainqueurs de ce changement d'entraîneur. On l'a vu, les deux postes les plus importants limite au milieu de terrain, c'est ceux de 8 et de 10. Alors même si on a vu que le 10 peut être un deuxième attaquant par moment, mais en tout cas, cette position de 8, elle est très importante et c'est censé être la position naturelle d'Unai dans lequel on croit beaucoup, moi comme beaucoup d'autres supporters olympiens, puisqu'elle est une qualité technique qui est largement au-dessus de la moyenne, mais il va falloir qu'il travaille beaucoup son placement, généralement, tactique, c'était pas génial contre le Havre, il va falloir qu'il soit beaucoup plus imposant dans ses replis défensifs et peut-être aussi un peu plus simple lorsqu'il a le ballon. Mais Unai peut vraiment avoir une très grosse carte à jouer avec Gattuso. Et sinon, bah, contre le Havre, Harit aura était plus un 10 qu'un deuxième attaquant. Cette fois-ci, il était fixé moins haut puisqu'il fallait presser différemment et qu'il fallait moins être sur la même ligne que Pierre-Emerick Aubameyang. Il l'a très bien fait. Harit, c'est pour l'instant la grande satisfaction de ce début d'ère Gattuso. Et justement, il fallait presser différemment. On en parle tout de suite. Parce que voilà la grosse limite de lire un match ou une prestation individuelle à travers le prisme d'un schéma tactique, c'est ça, c'est que les positions peuvent être plus ou moins les mêmes sur un tableau noir, mais ce qu'on va demander, les rôles réellement des joueurs vont être différents selon les adversaires et selon les coachs, c'est-à-dire que Gattuso, il semble faire preuve d'adaptabilité par rapport à l'adversaire, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres coachs que j'apprécie parfois énormément également. Donc, Harit, contre Brighton et contre le Havre, c'était deux positions de départ où il récupérait le ballon pour ensuite aller attaquer, différents. Et il a très bien réussi dans les deux. Donc, c'est important de le souligner. C'est quelque chose à retenir de Gattuso, qui semble avoir une structure, mais qui n'est pas attaché plus que de raison à sa structure. Il peut la modifier, il en a parlé en conférence de presse, et il peut aussi changer certaines manières de faire, comme la manière d'aller presser. Là aussi, entre Le Havre et Brighton, il nous en avait parlé, il nous avait dit que contre Le Havre, il allait presser différemment. On écoute deux extraits de conférence de presse de Gennaro Gattuso, qui parle quand même un peu de ballon depuis son arrivée. Oui, bonjour coach, bienvenue à Marseille. Vous avez commencé à parler un peu de ce que vous voulez mettre en place sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision pour préciser un peu ma question? Par exemple, votre prédécesseur avait une prédilection pour le 4-4-2, aimait le marquage en zone et plutôt n'avait pas de problème à laisser la possession de balle à l'adversaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des grandes lignes directrices de ce que vous voulez mettre en place ici au niveau tactique? Non, je pense que...
Alors, tout d'abord, je n'aime pas parler de mes prédécesseurs. Je ne voudrais pas trop parler de Marcelino. Je pense qu'il a fait un bon travail. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas fan de ces deux lignes de catch. Je pense que c'est un jeu un peu plus large. Je préfère avoir un niveau différent. Donc, par exemple, jouer généralement en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Voilà, je ne suis pas un fan, on va dire, du 4-4-2. Mais après, tout dépend de comment se déroule le match. Si l'équipe joue bien, voilà, essayer de presser plus haut, parfois être même ultra-offensif, prendre un peu plus de risques, de faire un peu de la rupture aussi au niveau de la ligne des 4. Je veux beaucoup, comme je l'ai dit auparavant, sur les pas, sur la possession. Parfois accepter les duels aussi en un contre un. Je pense que c'est le football moderne qui le veut. Donc voilà, je pense que Marcelino a fait un bon travail. Il faut le respecter, mais moi j'ai une vision du jeu qui est différente quand même. C'è da rispettare quello che ha fatto, però sicuramente andiamo alla ricerca di fare un qualcosa di diverso. A livello tecnico-tattico, cambi sempre. Mais voilà, au niveau tactique, technique, c'est complètement différent. C'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Et puis même moi, en tant qu'entraîneur, j'ai changé aussi ma vision du jeu. Par exemple, à Naples, à l'AC Milan, j'avais une vision plus par secteur, par rôle, par poste. Et après, à Valence, l'an dernier, j'ai commencé à casser la ligne de 4, comme c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant, à mettre des joueurs qui avaient le pied inversé. Donc voilà, tout peut changer au fil du temps. Et pour finir, donc, il faut aussi qu'on soit en mesure de pouvoir changer l'artisan aussi, mais du type de pression qu'on fait. Parce que contre l'heure, par exemple, ce sera un match tellement différent que l'équipe différente de Brighton. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à jouer différemment et à s'adapter à l'équipe qu'on affronte. Imparare il più velocemente possibile, riuscire a cambiare e adattare anche pure le squadre da meno giocare. Autre détail dans la construction des buts qui me paraît intéressant. Alors, on a compris qu'il voulait mettre un peu plus de verticalité dans le jeu. On l'a vu, par exemple, sur le premier but inscrit à Monaco, ce genre de choses. Mais moi, il y a un petit détail qui a retenu mon attention, c'est que Gigot contre Monaco et Mbemba contre Brighton, ils marquent tous les deux suite à des corners, mais pas directement. C'est-à-dire que c'est deux corners pour l'Olympique de Marseille, des corners qui sont repoussés. L'OM fait tourner le ballon, va de l'autre côté, et là, le défenseur central, plutôt que d'être reparti en position défensive, il est resté aux avant-postes et les deux fois dans des positions similaires, Gigot et Mbemba ouvrent le score pour Mbemba et redonnent l'avantage pour Gigot. Donc c'est à souligner, c'est quelque chose à surveiller. Peut-être que même lorsque l'on va mal tirer les corners, désormais les actions ne seront pas terminées. On peut aussi souligner, sans trop y donner d'importance, que sur les trois matchs qu'il a dirigé, Gennaro Gattuso, l'équipe de Gennaro Gattuso a toujours eu la possession de balles, à part contre Brighton. Mais contre Brighton, il y a vraiment des équipes qui descendent à 20-30% de possession de balles, et là quand même on a eu un petit 46-54, donc 46% de possession de balles contre Brighton, c'est déjà énorme. En fait, j'ai regardé cette saison, il n'y a que Liverpool qui a eu un meilleur pourcentage de possession de balles, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille a vraiment disputé la possession de balles à Brighton, et c'est déjà beaucoup. Donc c'est peut-être aussi un indice sur le style de jeu que veut mettre en place Gattuso. Bref, la saison de l'OM est relancée. Pour aller où, on verra, mais elle est relancée, il y a un nouvel entrain, on va à nouveau dans une direction claire, au moins au niveau tactique. Gattuso a déjà apporté un schéma tactique qui fait la part belle au 8 et au 10, il a rapporté aussi de la cohésion dans toute l'équipe et un peu d'espoir aux supporters, et tout ça en quelques semaines, c'est déjà pas mal.